Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de ce tuto. Donc pour la première partie, nous avions fait cet album photo. Si je vous remettrai la première partie dans le petit i, si jamais vous ne l'avez pas regardé, attention, la vidéo dure 44 minutes, prenez-vous un café pour la regarder tranquillement. Donc on ouvre ici, je vous rappelle un petit peu, hein, voilà, et on avait collé des papiers. Donc voilà. Donc ça, c'était la première partie de ce tuto. Maintenant, si vous avez regardé cette première partie et bien sûr que vous avez été faire la curieuse pour voir la vidéo de Carolina, puisque je vous rappelle que c'est une vidéo qui m'a été inspirée par Carolina, on va faire la boîte. Bah bien évidemment. Alors, pour faire la boîte, il va nous falloir une première feuille, donc de 21 par 29 cm. On la met couchée. On fait un pli à 12 cm et un autre à 17, ce qui fait qu'il nous reste 12 derrière. Et on fait un pli de 2,5 de chaque côté. Et on vient marquer nos plis. Donc moi, je vais juste prendre là, ici, et marquer un peu plus mes plis. Je n'avais pas marqué du tout pour les côtés. Donc moi, j'ai fait en sorte que la boîte soit assez grande, puisque on n'a pas encore fait la décoration qu'il y avait devant. Donc voilà, je veux que si j'ai envie de mettre une grosse fleur, je puisse, et que ça rentre facilement. Vous voyez, hop là. Ce sera pas dur à retirer si je suis dans le champ, vous verrez mieux. Voilà, elle sera pas dure à retirer, à forcer, à essayer de l'abîmer. Voilà, là au moins j'ai l'espace, je vais pouvoir m'éclater. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre un ciseau, bien évidemment. On va venir couper ici. Hop là, ici, ici, et on fait pareil de l'autre côté. Hop là. Et on va coller, alors on va mettre à l'intérieur et on va venir les coller comme ça, et d'un, et de deux. Alors certes, vous allez voir vraiment un tout petit creux. Mais on va mettre le papier décoratif et ça se verra pas. Ma colle. Hop là. Donc, je vais mettre ici. Et du coup... ici et ici. Voilà. J'appuie bien. Vous voyez, il y a vraiment un tout petit creux ici. Mais on va venir, alors c'est pas ce papier là, mais on va venir après y mettre du papier et voilà, vous voyez, ce sera ni vu ni connu. Hop là, on fait la même chose de l'autre côté. Après, si vous souhaitiez, pour renforcer un peu plus, vous pouvez toujours ajouter un morceau de papier, il n'y a pas de souci. Et là, pareil, j'appuie. Voilà. Donc là, hop là, on peut le mettre facilement dedans et on pourra le retirer aussi facilement. On va venir décorer.
Ouais, je commence par ce morceau-là. Donc moi, hop là, j'ai pris déjà trois morceaux pour faire les devants et le dessous. Alors, je vais coller le dessous déjà, parce que je sais lequel ira où. Je les ai même déjà ancrés aussi en noir, comme tout à l'heure, comme dans la vidéo précédente. Hop là. Non, elle était bien à l'endroit. Et je vais mettre celui-ci devant. Je vais faire comme ça et voilà. Le papier est juste splendide. On fait la même chose de l'autre côté. Pareil. Voilà. Donc là on a nos ici. Maintenant on va mettre nos côtés. Je suis en train de réfléchir. Ça je vais la garder. Je vais attendre avant de faire mes côtés. On va plutôt d'abord faire le couvercle parce que oui, il y a un couvercle. Donc pour le couvercle, c'est simple, on va prendre une feuille donc de 26 cm par 15. Et on va faire un pli à 5 cm de chaque rubber. C'est-à-dire un pli à 5. Je vais prendre. Hop là, ici. Vous mettez votre feuille. Ici, il nous faut 5 cm. On la retourne comme ça. 5 cm. Ici. 5 cm et pareil ici 5 cm. Bon, il y en a qui auront compris comme ça. Pour les débutantes qui veulent faire aussi celui-ci, du coup, ça va être un petit peu plus simple. Donc voilà, on va venir marquer nos plis. Ensuite, on prend notre ciseau. Hop là. Et on coupe ici comme ça. On vient coller ici. Et pareil avec l'autre. Voilà. Pareil ici.
Et voilà. Maintenant, faut le décorer. Alors. En fait, j'aurais bien vu comme ça. Est-ce que ça va faire joli? Non, ça va pas faire joli. Et il nous restait une autre feuille 30-30 que j'avais gardée en bleu. Voilà, il y avait celui-ci. Bon, là, il est à l'envers. Ah, dur, dur, hein. Parce que j'aurais pas assez pour tout faire. Je vais garder sur du... Je vais partir sur du bleu-bleu comme ça. Donc, du coup, je vais prendre ici mon crayon. Alors, ça sera beaucoup plus simple de le faire avant de coller, bien évidemment. Mais je voulais voir le rendu que ça aurait. Hop là. Ici. Je vais tirer. Merci. Et je vais partir du bas pour remonter comme ça pour essayer de suivre un petit peu les lignes. Alors. La petite marque, elle est là. Comme ça. Ici. Je vais juste bien appuyer, bien marquer pour que la colle prenne bien partout. Hop là. Il me reste donc ici. Voilà, que je me trompe pas de sens. Voilà. Ensuite, on va faire les petits côtés. Voilà. Il faut que je fasse attention d'être toujours
bien centré quand même que vous me voyez voir. Non, c'est pas français ce que j'ai dit. On rembobine. Que vous puissiez voir ce que je fais réellement. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme dit comme ça? Marie. Je parle plus la France, moi. Je parle plus la France. Et voilà, comme ça. C'est dit. Tu t'es mal mis, cocotte. Avant de prendre, bouge. Ah! Bon, on efface, on recommence. Je ne l'ai pas mis droit. Donc, dans ce sens-là. Essaye de mettre droit quand même. Hop là. C'est quand je veux pour le faire bien prendre qu'à chaque fois je le bouge. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je le fasse comme ça. Voilà. On n'a pas fini le bas. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le bas. Hop là, on vérifie juste que ça passe. C'est censé passer. Ça rentrait tout à l'heure. Voilà. Donc voilà notre petite boîte. Bon, là, ça rentre un petit peu. Mais ça va le faire. Allez, on met ici. Donc du coup, je vais reprendre. Là. Comme ça, alors. Mon fleur, elle va dépasser. Je vais plutôt prendre ici. Ma marque, elle est ici. Servir ici pour noter. Et là je vais venir coller juste ici. Hein, j'ai fait un petit peu trop large. Voilà. J'encre. On fait pareil. De l'autre côté.
Voilà. Donc il restera plus que la déco. Et ce serait ballot que maintenant ça rentre plus. Voilà. Et si on met l'album photo dedans, vous voyez, on a encore plutôt pas mal de place. Hein. Il n'y a pas de souci. Il suffit juste j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je pense que ma petite décoration de ma boîte, je vais la faire hors caméra. Bah oui, je vais pas tout vous montrer non plus. Ça va vous laisser un peu plus de choix à vous pour vous laisser faire. Il nous reste plus que du coup l'intérieur de l'album à terminer. Donc, du coup, alors, on va prendre... Alors, normalement, si je ne me suis pas trompée, j'en ai découpé 26. Donc, dans cet album-ci, on va pouvoir mettre des photos de 9 par 13. Donc, moi, je vous ai découpé des... J'en ai coupé plein. J'ai découpé des morceaux de papier noir 9 par 13. Donc, il suffira juste de réduire un petit peu vos photos pour laisser une petite marge. Ça pourrait être sympa. Et ici, alors, il me semble que j'en ai 15. Je sais plus, c'est 15 ou 16 petites languettes. Donc de 11 par 2 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ah ben 14. 14 j'en ai apparemment. Ah, 15 a été resté collé. Du coup, on rouvre ici. Donc, du coup, hop là, on va remonter un petit peu. Ici, je vais laisser comme ça. Ici, je vais venir juste... Alors voilà, ça va être un coup. On va laisser... Voilà, là, je vais juste coller. Vous voyez, hop, ça passe pile poil. Donc, je vais coller juste un point en haut, un point en bas. Et on viendra y mettre ici. Hop. Alors, là, je fais... Donc, une petite ligne en haut, une petite ligne en bas, vous voyez. Hop là, et je viens mettre ici. Je laisse en noir. Normalement, la taille, elle est pile poil. Donc, je ne vais pas venir coller tout de suite. Hop, ici. Hop là. Je vais venir y coller des plumes là. Et après, voilà, on va venir décorer un petit peu avec nos die cuts. Voilà. Et ici, du coup, on viendra y glisser. Là, avec notre photo. Après, pour celles qui le souhaitent, on peut très bien décorer la languette. Hop là. On continue ici. Je vais juste venir... Alors là, je vais prendre mon grand ciseau et hop, je vais découper comme ça. Et je vais venir la coller ici. Et du coup, je vais juste mettre là comme ça. Hop. Vous voyez pas bien, je suis trop haut aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, je vais juste coller le bas. Donc celui-là il va aller là, mais je colle, j'attends avant de le mettre parce que sinon ça risque de coller au... Ouf, là c'est bon, voilà, je garde ce morceau, on ne sait jamais. Ici je vais venir mettre là, pareil, un en haut, un en bas,
Voilà, donc c'est ce qu'on va faire sur toutes les pages. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire quand même avec vous sur la vidéo, mais je vais mettre en accéléré parce que ça va prendre un peu de temps et puis voilà. Donc je vous mets en accéléré et je vous retrouve juste derrière. Voilà, ça y est, j'ai fini de décorer l'intérieur. Donc vous avez pu voir, j'ai alterné avec trois alternatives, soit avec un petit passant. Donc du coup, j'ai fait, voilà, en 15, il y en avait un petit peu trop avec 10. Je crois que c'est des... j'ai dû en utiliser 10. Vous avez celui-ci aussi. Ah, j'ai oublié de... il me faut une petite carte ici. Hop là, je l'ai oubliée celle-là. Hop là. Je vais la recouper. Hop. Donc 9 par 13. Voilà. Hop. Et ici, la coller directement avec un petit. Hop là, je vais prendre celui-là. Un petit die cut, mais pas collé entièrement pour pouvoir y glisser la photo ici. Donc celui-ci, j'ai découpé de la feuille 30-30 qui me restait. Hop là, voilà pourquoi il y en a deux ici. Il y en a qui sont quand trichés ici, c'est pareil en passant ici, le die cut collé directement. Je verrai après s'il me reste des petites choses pour coller ici. Ici, là, hop là, il avait collé un peu. Voilà. Ici, c'est pareil. On retire ici le passant. Encore le passant. Hop là, j'ai juste mis Sunrise. J'avais pas envie de mettre beaucoup plus. Ici, collé directement, mais c'est pareil. Le love n'est pas collé entièrement. Ici, pareil, collé, mais le papillon n'est pas collé entièrement. Encore un passant. Un passant. Collé, mais pas entièrement.
de même coller, mais pas entièrement. Ici, on retire. Coller, mais voilà, je verrai ici aussi par la suite, voire même mettre des tamponnages, c'est possible aussi. Ici, voilà, donc j'ai pas voulu forcer parce que je venais de coller, mais à la rigueur, c'est même possible. Hop. Ce qui est même mieux à la base, si j'ai bien collé en fait. Ouais, non, ça va pas le faire. Non. Hop là. Donc juste comme ça ou juste comme ça, à vous de voir. Ici, juste coller. Ici, un passant avec une rose. Coller avec une plume, mais pas entièrement collé. Hop là. Ici. Là. Ici. Un passant. Collé. Et ici, collé, mais pas entièrement. Voilà. Donc voilà pour ça. Moi, il me reste encore la décoration à faire ici, la décoration à faire ici. Mais pour l'heure, moi, je vais vous abandonner. Je vais vous laisser là. Et voilà, chacun va faire sa petite décoration extérieure de son côté pour que ça puisse être original, qu'on fasse chacun notre petit truc. De toute façon, moi, vous aurez le rendu final dans la première vidéo de cette série de 3. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il y a beaucoup d'autres tutos complets sur la chaîne maintenant. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer pour s'abonner, à mettre la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Et je remercie encore beaucoup Carolina d'avoir accepté que je reprenne son idée d'album. En tout cas, moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. I'm making this the last time I break down.